Oh, élégante. Nous sommes dans l'ambassade. Plan B, invité, robe, timide. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Robe? J'ai l'impression que... Non, timide. C'est pas qu'une impression, tout le monde nous regarde. Invité, robe. J'aime pas cette robe. Je savais que j'aurais dû mettre autre chose. Non, cette robe est parfaite. Et t'es superbe. Merci. Mais le plus important, sois naturel. Si quelqu'un te parle, contente-toi de sourire. Tu veux que je sois naturel ou tu préfères que je sois souriante? Je savais pas que t'avais de l'humour. Seulement quand je suis morte de trouille. Ryan, je suis ravi que vous soyez là. C'est toujours un plaisir, Sheikh Ahmad. J'aimerais vous présenter mon assistante, Elisabeth. Je ne savais pas que la diplomatie américaine avait en sa possession des armes. Tout le plaisir est pour moi, Elisabeth. Messieurs, je vous rends votre hôte. On discutera plus tard, Ahmad. À plus tard, Ryan. Ça y est, il est séduit. Il me déteste. Il devait imaginer ma tête au bout d'une pique. Mais je crois qu'il t'a trouvé charmant. Je devrais être flatté. Je vais aller serrer quelques mains. Mêle-toi aux autres, on va pas tranquille. Tu sais ce que tu as fait. Bon. Ah, ambassadeur. Quel plaisir. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a un bon collier en plus. Il faut que je trouve un endroit. Il faut que je trouve un endroit calme. Quel endroit est calme? Ah, un endroit calme. Ici, je pense que c'est sécurisé. Est-ce qu'il y a une toilette quelque part? Ouais, ça doit. Il doit y avoir une toilette comme ici. Ça, c'est quoi, ça? C'est une toilette. Ici, c'est pour les dames, c'est ça? Ah, il surveille l'autre, hein. Coucou, mesdames. J'ai fait que passer, hein. Ah, mais je suis la plus belle, en fait, là. Avec la robe. Allez, je suis tranquille là. Là, je peux faire ce que je veux. Oh, la toilette, c'est de ouf! J'aimerais bien avoir une toilette comme ça chez moi, tiens. On dit qu'il est en or, le machin, tellement qu'il est beau. Voilà. Elle est vraiment stressée. Beaucoup stressée, c'est peut-être sa première mission. Ok, oui. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Il y a un grand tableau dans une des pièces à l'étage. Derrière, il y a un coffre. Les documents qu'on doit trouver sont à l'intérieur. Mais il y a des gardes et des caméras, alors tu dois faire attention, d'accord? Ok. J'ai compris. C'est lui, là, que je dois faire... C'est le bon endroit. Hop. Aiden, fais ton boulot. C'est parti. La caméra d'abord. Ah merde. Il faut distraire le garde d'abord. Ah bah ça. Attends, je trouve mieux à faire. Faire disjoncter son truc là. Maintenant, la caméra. Une caméra, si. Personne ne pourra plus surveiller le bureau principal. On devrait être... C'est bon. Je vais régler le problème des caméras. Maintenant, il faut que je vais... Enfin, ouais, il faut que j'aille au bureau pour avoir les infos. Allez, je me dépêche. Ah, ça, c'est le bouton. J'ai trouvé le bouton. C'est ouvert. Oh yes, c'est ouvert. Il faut les empreintes. Hein. Vas-y, essaie d'ouvrir le coffre. Et, allez. Oui. Maintenant, faut qu'on lise ces documents. Dépêche-toi.
Je tiendrai plus. Oui, je me dépêche. Ok. Bon, bouge. Je bouge plus. Maintenir, ok. Ensuite. Ah, mince. Bon. Allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Hop, X, ok. Ah, j'ai fait trop vite. C'est terminé. On a réussi. On dérange pas les dames dans les toilettes. Depuis quand les hommes rentrent dans les toilettes? C'est des femmes. Il doit être la complice. C'est la complice. Désolé, je ne peux rien faire pour t'aider. Ah ben si, tu peux quand même essuyer le nez, non? Allez, on se met debout. Pas d'hospitalisation. Nada. Vas-y. Est-ce que je peux quand même laver la figure, hein? Oui, je peux laver la figure. Allez, c'est bon. Vas-y, je lave la figure tranquillement. Comme si de rien n'était. Mission accomplie. En tout cas, pour moi, mission accomplie. Elle doit avoir mal au crâne. J'imagine même pas la douleur qu'elle a. Vas-y. Je ne suis pas. Attendez. Ah, ben, je peux rien faire d'autre. Je peux te sortir. Il faut marcher mieux, madame, hein, parce que sinon ils vont se douter de quelque chose. Hein. Hop, c'est pas normal que tu sors de toilette, t'es fatigué. Johnny, est-ce que ça va? Non, ne touche pas. Je veux qu'on s'en aille. Bon, ok, on s'en va. C'est bizarre, hein? Vous êtes venu, elle est partie aux toilettes. En fait, je suis pas sûre. Je ferais peut-être mieux de pas y aller. Je te dis, ça fait des semaines que t'as prévu d'y aller, tu vas pas me dégoûter. En plus, je connais personne. Peut-être qu'ils m'aimeront pas et... Cette robe est affreuse. Pas du tout, si, ça te va très bien. En plus, c'est couleur de printemps. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Il va t'amuser et peut-être même te faire... C'est très bien fait, Olivier. J'aime bien. Allez. Vas-y, c'est le soir. Tu as oublié ton cadeau. C'est quoi ton cadeau? Un recueil de poèmes dédié à Alan Poe. Tiens. Il a 50 ans et il est très rare, je suis sûr. C'est un livre. Allez, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je viens te chercher à 5 heures. Amuse-toi bien. 5 heures? Mais quelle heure? Quelle petite? Est-ce que je dois y aller? Ah, c'est juste là. C'est un beau quartier, hein. Est-ce que je peux sillonner autour, voir ce qui se passe? Non, pardon, il n'y a rien du tout. 309, que j'ai vu. Nous sommes dans la rue 309. Ding dong. Quelqu'un? Salut, Jenny. Entre. Bonjour. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille.
Entre, Jodie, fais comme chez toi. Ah, j'adore les gens qui disent fais comme chez toi. Bien, on est dans le salon, il y a quelques filles de mon école et... Ah, je connais. C'est un cadeau pour moi? Cool, merci. C'est... Je m'en vais, ma chérie, prends soin de tes amis, surtout ne faites pas de bêtises, d'accord? Ouais, maman, comme tu veux. Ok, je suis bien accueillie dans mon anniversaire, dis donc. C'est sympa. Hé, tout le monde, ça c'est Jodie. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4? Le service du paranormal? Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu plies des cuillères ou tu parles avec les morts? Non. Des trucs comme ça? Non. Waouh! Allez tout le monde, je vais chercher la bière. Les gars, fermez les rideaux. Les filles, mettez des bougies. Et Jodie, t'as qu'à t'occuper de la musique. On va trop s'éclater! Oui, on va bien s'éclater. Vous êtes vraiment sympa, vous, hein? J'avais drôle d'idée d'attirer les gens. Pourquoi on ferme? Pourquoi on ferme, hein? Ah, ça peut faire genre une discothèque. Est-ce que je peux appeler Eden, non? On peut faire connaissance, s'il vous plaît? On se connaît pas. Bonjour. Non, il n'y a personne qui veut parler. Donc, du coup, la fête, c'est quoi? C'est baladé, c'est ça? Ok. Je suis pas chez moi, hein, mais j'allume la musique. Pop, j'aime bien Pop. Ouais, c'est ça. Sérieux, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la musique! Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose qui décoiffe. T'as pas ça qui décoiffe, hein? T'as un drôle de goût, toi. Qu'est-ce qu'elle porte là? Mais par contre, les caméras, je suis désolé, mais c'est un peu. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre. C'est plus, on va dire. Difficile à manipuler. Je te dis, t'en veux une? Non, oui. Ouais, je veux bien. Tu es à la fête, mais putain, faut que je profite. Hein. Vas-y. Faut que je sois bourré. Tu t'es tout ou quoi? Ah non, elle est trop jeune pour ça. Non, c'est pas la première fois. Si, c'est la première fois. Elle est tellement bourrée. Allez, je prends un autre, je prends tout, je m'en fous. Allez, on boit, on finit. C'est les bonnes. Non, ok, je dépose. Il n'y en a pas d'autres? Je vais danser ou je vais marcher? Je regarde. Je suis pas chez moi en même temps. Il n'y a personne qui veut me voir. Il y a toujours un petit qui voit une petite nouvelle. Salut. Moi, c'est Matt. Jodie, ouais. C'est ça? Moi, c'est Jodie. Je crois que je t'ai jamais vu au bail. Je suis pas de cours sur la base? C'est Je suis un programme différent avec un prof particulier. Je vois. Parce que je me serais souvenu de toi si je t'avais déjà vu. Moi non plus, je me souviens pas de toi. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten? C'est ça, Rosalie. Moi, je suis toujours bien. J'avais jamais vu Kirsten avant. Sa mère travaille dans mon unité et c'est pour ça qu'elle m'a dit. Avant, j'habitais à Londres. Et puis, on a emménagé ici il y a 2 ans. Et toi? Où est-ce que t'habitais avant? J'habite dans une chambre, un massage. New York? Oh la vache, j'adore New York, c'est énorme. J'y suis allé une fois et je me suis éclaté. Est-ce que t'as des loisirs? Des trucs que tu fais pour t'éclater? Moi je surfe dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et toi, qu'est-ce qui te branche? Réservé. Rien de spécial. Je lis beaucoup, c'est pas passionnant. Je lis, j'ai un truc à te demander. Quoi? Pourquoi t'es dans l'unité? Parce que je suis spécial. Évasif, évasif. J'ai pas envie d'en parler. Désolé. Merde, je suis trop con. J'espère au moins que je t'ai pas trop contrarié. Si, tu m'as contrarié. Si. Ok, c'est cool. Rien. On se connaît à peine, enfin, tu connais même pas, tu me poses des questions.
Merci pour la danse, Matt, mais je crois que ça ira. Je pense que c'est là, oui. Eh, les gars, pourquoi Jody nous ferait pas une petite démonstration de ses super méga pouvoirs? Non, excellente non, idée, non, je serais curieux de voir ça. Laissez tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y, Jody, montre-nous ce que tu sais faire. Alors, Jody, prête pour une démonstration? Ouais, si vous voulez. Attendez, je refuse. Non, j'ai rien, j'ai vraiment rien à vous montrer. Qu'est-ce que je vous disais? C'est qu'une... Oui. Bon, allez les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. J'ai évité une catastrophe. En fait, le gâteau attendra, je préfère ouvrir mes cadeaux. Bisous, Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est décollant. Décollant? Un string? C'est exactement ce que je voulais. Ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. C'est un cadeau, ça? Mon prochain copain ne manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Tu dis ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux bouquin? Oui, c'est joli en plus. Ah, ça sent le moisi. C'est un livre très rare, un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan qui? Quoi? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi? Non, c'est un livre très ancien. Ouais, comme ta robe, on dirait. C'est quoi ce cadeau là, irrespectueux là? C'est ça ton cadeau? J'arrive pas à croire que tu sois venu à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivi comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi, c'est ma mère qui m'a forcée. Ouais, c'est une salope. En plus d'être une sorcière. On devrait peut-être la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières? On les brûle. Quand tu l'as regretté, t'en as... Laissez-moi tranquille. Ah mais c'est des méchants, hein. Là. Pitié, sortez-moi de là. Je vous en supplie, pitié, laissez-moi sortir. Attends, top. Pitié. Quelqu'un a parlé de gâteau. Pitié, je veux sortir de là. Pitié, faites-moi sortir, je vous en supplie. Enfin, comment? Bon, je vois ce qui se passe. Pitié. Donc, sur l'intérieur, enfin, sous l'escalier, c'est pas gentil de faire ça. Tu viens à l'anniversaire des gens que tu connais pas, et au final... Je veux sortir d'ici. Pitié. Bon, on va utiliser le pouvoir, hein. Parce qu'on n'a pas de... On n'a pas le choix. Allez. On n'a pas le choix et... Vas-y. Est-ce que je peux casser la porte? Oui, je peux casser la porte. Je vais me venger. Repartir, moi j'ai le choix, repartir. C'est que des sales gamins. Merci en tout cas de m'avoir accueilli chez vous. Hein. La vengeance ne mène à rien. C'était que je suis plus fort que. 309.